C'est parti pour l'apprentissage de la chorégraphie. Pour réaliser cette chorégraphie, vous aurez besoin d'être pieds nus pour ne pas glisser dans le sol et de deux foulards. Si vous n'avez pas de foulard, prenez soit des tissus, soit des mouchoirs. Vous pouvez même enlever un mouchoir du paquet et tout simplement faire quelque chose de léger. D'accord ? Sinon une serviette en papier ou peu importe. Pour commencer, vous venez vous placer sur les genoux, dans le sol. Alors je les mets de côté. Là vous voyez j'avais une petite jupe. Hop là. Et je prends deux foulards dans chacune de mes mains. Je viens les placer derrière et déposer ma tête sur le côté. Sur toute l'introduction de la musique, vous viendrez tout simplement faire danser vos foulards de la manière dont vous le souhaitez. Donc soit vous les lancez ici, soit c'est d'abord un puis l'autre, vous pouvez même les lancer, les rattraper. C'est à vous de voir et tout doucement vous viendrez vous mettre debout. Est-ce que vous voulez les faire tourner? Est-ce que vous voulez les faire sauter? À vous de décider. Mais attention, après l'introduction, il faudra venir vous placer. À vous de deviner quelle position je suis. En sixième, j'espère que tout le monde avait la bonne réponse. Dès que vous avez commencé, en sixième ici, vous venez pour faire un port de bras, donc vos mains se retrouvent. Je viens croiser les foulards et hop, réouvrir. Et lorsque je les ouvre, je lâche les foulards. D'accord? Donc vous avez deux foulards, ils se croisent, passent en haut. Et là, c'est comme si je les lançais de chaque côté. Hop là! Et ensuite, petite respiration pour revenir. Tout ça, elle est évidemment très gracieusement. Lorsqu'ensuite vous êtes arrivé ici, après la respiration, vous venez, ah oui, croisez vos deux bras. Comme si vous faisiez un gros câlin, mais pas juste un câlin ici avec un bouquet. Non, non, bien croisé, coude vers coude. Ici, on attrape les épaules. Vous restez toujours en sixième position et on vient faire un grand cercle avec son dos. Ouh. Et si vous sentez que vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave. Vous venez tout simplement plier sur les deux genoux et vous pouvez faire un cercle. Ne le faites pas trop vite, comme ça vous ne tomberez pas. Juste après ceci, il y a deux étrangers. Vous n'avez plus les foulards, mais vous avez vos mains. Vous espacez vos deux mains, deux inconnus que vous regardez, qui vont se rapprocher délicatement pour se déposer pomme contre pomme. Puis venir se mélanger. On va donc mouliner pour mélanger tout ceci. Et enfin, se retrouver en venant déposer les pommes contre pommes, puis croiser les doigts et les regarder tendrement. Ça, c'était la première partie. Pour enchaîner avec la deuxième partie, vous lâchez les deux inconnus et vous venez vous placer en première position. N'oubliez pas de bien coller les talons. Lorsque vous êtes en première, vous soulevez légèrement les talons et vous les reposez pour vérifier votre équilibre. Ensuite, vous allez balancer à la seconde sur un côté et de l'autre côté. Je recommence, je suis en première. Balancez, balancez, revenez en première. Donc j'ai fait première, seconde et première. Dernière fois. 7 et... balancez à la seconde, revenez en première. Et enfin, on viendra soulever les talons pour faire un relevé. Pliez, relevez, port de bras, redescend lentement. Pour terminer, on viendra faire une petite promenade, comme si on allait se promener tout simplement par la pointe des pieds. Et je redescends par la sixième, en chevalier servant, donc sur un genou, pour replacer, comme au début de la musique, respiration, et redescendre, bras derrière, regard sur le côté. Évidemment, si vous avez envie de continuer à danser, encore plus sur le reste de la musique, vous le pouvez bien sûr. Je vous invite à refaire plusieurs fois la chorégraphie sur la musique, sans la musique aussi, et surtout, sans me regarder.
histoire éternelle qu'on ne croit jamais. De deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret. Et soudain se pose sur leur cœur en fête.